Bonjour, dans ce cours vidéo, je vais vous présenter comment enregistrer un son et l'utiliser dans un programme. Donc, pour enregistrer un son, c'est fort simple. Lorsqu'on est dans les blocs verts qui sont ici, on va avoir deux sons, un son qui est déjà enregistré, un petit pop. Et si on veut enregistrer notre propre son, ce qu'on va faire, on va venir sur le micro, on va peser dessus. À ce moment-là, dans la boîte, on va avoir un cercle. Pour enregistrer notre son ou notre mot, on va tout simplement peser sur le cercle et dire les mots qu'on va vouloir utiliser. Une fois qu'on a terminé, on va peser sur le carré. Bonjour, bonne journée. Si on veut écouter ce qu'on vient d'enregistrer, on va tout simplement peser sur le triangle. Bonjour, bonne journée. Si on est satisfait, on fait tout simplement peser sur le crochet. Par la suite, on peut venir prendre les blocs, puis là, on pourra en enregistrer plusieurs, puis les placer à la suite l'un de l'autre. Et là, on va venir placer notre bloc tout simplement dans notre programmation et on va pouvoir peser sur le drapeau. Bonjour, bonne journée. Si on veut qu'il fasse un certain son après certaines actions, ben il faut juste placer les actions qu'on veut qu'il fasse. Donc, supposons on veut que notre bonhomme se déplace de 3 unités. Et ensuite de ça, qu'il dise la phrase, ben lorsqu'on va peser sur le drapeau, Bonjour, bonne journée. le bonhomme s'est déplacé et il a dit la phrase par la suite. Donc, amusez-vous à enregistrer vos sons. Si jamais il y a des sons que vous ne voulez plus parce qu'ils vous intéressent plus, ce qu'on doit faire pour effacer le bloc, on va peser dessus, maintenir le souris jusqu'à temps que le bouton de la souris, pardon, jusqu'à temps que le X apparaisse et on va tout simplement peser dessus. Donc, amusez-vous bien.